Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va faire une petite button box. Donc je vous avais dit que la dernière fois, j'en avais fait une sur mon petit setup et j'allais vous la présenter. Donc celle qui est sur mon setup, c'est celle qu'on voit sur Eurotruck. Donc je vais vous la montrer vite fait, qui est juste ici. Donc voilà, on a la petite button box qui est là. Donc celle-là, c'est la grande version. Et vous allez aussi avoir la petite version. Donc là, on va se remettre ici. Hop. Je vais reposer le téléphone. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo pour pouvoir en faire deux différentes. Donc, vous allez pouvoir faire la grande, mais la petite. Alors, dès le départ, je vais le dire dans la vidéo, je vais vous montrer tous les produits, mais je ne vais pas les mettre des liens sur les sites internet ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais le problème, c'est que je vois qu'il y en a qui commandent, ils les ont pas, et puis après, à la place de se retourner sur le vendeur, ils vont se retourner sur le gars qui a fait la vidéo YouTube. Donc, moi, je vous présente tout. Je vous montre tout, mais c'est à vous à chercher les produits si vous voulez à faire vous-même. Numéro 2, je vais en faire une ou deux de temps en temps que je vais mettre à vendre directement. Donc, à savoir que par exemple, les deux qui sont là, je vais vous montrer, seront à vendre. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà une grande et j'en ai pas besoin de plus. Donc, la petite et la grande seront à vendre. Je vous dirai les tarifs à peu près vers la fin de la vidéo. Donc, vous regarderez à la fin de la vidéo, vous aurez les tarifs et comment ça va marcher pour les envois et ainsi de suite. Donc, la première chose ici, ce que vous allez devoir trouver, c'est une boîte. Donc, n'importe quoi, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, même une boîte en carton, ce que vous voulez. Mais le tout, c'est de trouver une boîte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des boîtes de dérivation que je vais chercher dans un magasin de bricolage. Donc là, on a la petite boîte de dérivation. Et on a la grande ici que moi j'ai par rapport à la mienne. Voilà, ça c'est ça. Donc c'est juste une simple boîte de dérivation. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la même forme, mais attention par rapport au nombre de boutons que je vais vous expliquer, ça va être modifié. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc une grande boîte que je vais mettre là et une petite boîte. Après, il faut faire aussi votre patron. Donc pourquoi? Parce que quand vous allez positionner les boutons, voilà, vous n'allez pas quand même le faire comme ça à l'arrache. Donc là, vous enlevez l'étiquette propre. Moi, ils seront peints en noir. Donc celles-là, elles seront peintes en noir. Après, si quelqu'un en veut une blanche, je pourrais la faire en blanc. Mais ça sera plus à la commande et il faudra attendre que les produits arrivent. Mais moi, je vais la faire en noir. Donc ici, on a aussi un patron. Alors, vous êtes obligé de créer un patron pour pouvoir faire vos mesures et avoir quelque chose d'assez droit. Donc, par exemple, là, on a le patron pour celle-ci. Donc, voilà, pour la petite boîte. Donc, sur cette petite boîte-là, vous allez avoir quatre boutons aviateurs. Donc, c'est des boutons comme ça. Moi, j'appelle ça des boutons aviateurs. Donc, quand vous les utilisez, vous pouvez les ouvrir comme ça et les utiliser. Alors, vous avez la possibilité de les utiliser dans les deux sens ou dans un seul sens. Moi, je vous explique un seul sens. Comme ça, vous ouvrez, hop. Vous pouvez faire comme ça et ça marche. Donc ça, c'est les boutons aviateurs qu'on pourra mettre tout en haut de chaque boîte. Donc sur cette boîte-là, la petite, il y en aura 4. Sur la grande boîte, il me semble qu'il y en aura 5. Donc, il y aura des rouges, j'ai aussi des oranges, des blancs, j'ai plusieurs couleurs. Après, donc ici, on aura une série de 5 boutons. Sur la grande, par contre, vous en aurez 14. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la petite et la grande. Vous allez avoir 5 boutons sur celle-là. Et sur l'autre, vous en allez avoir 14, donc 7 et 7. Les boutons, simplement, c'est des boutons comme ça, des petits boutons poussoirs que j'ai achetés. Alors, je vais en ouvrir, je vais vous le montrer. Alors, j'essaie de ne pas perdre parce que comme j'ai plus ou moins tout juste en boutons, je ne voudrais pas les perdre. Alors, j'ai failli le faire tomber. Je ne vais pas prendre un noir parce qu'on ne va peut-être pas le voir correctement. Alors, là, je prends un orange. Donc voilà, vous allez avoir un bouton dans ce style-là. Et ça, c'est un simple bouton poussoir avec un pôle plus et moins. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez devoir juste le brancher derrière. Alors, ça se fixe ici directement avec une bague. Vous avez une bague, vous le mettez à l'intérieur et tout. Je vous montrerai comment il faut percer et tout, hein. C'est juste après. Donc ça, c'est les boutons qu'on va avoir. Donc, comme je vous ai dit, les boutons ici. Et après, on va avoir deux boutons un peu spéciaux. C'est les deux qui sont juste là à côté. Donc ça, c'est des boutons dans ce style-là. Et c'est un bouton qui fait on-on. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez l'utiliser, il va faire on en haut et on en bas. Et ça, c'est un bouton que moi, par exemple, sur Eurotruck, je l'utilise pour ouvrir et fermer les vitres. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous faites le bus pour ouvrir et fermer les portes. Donc, quand vous allez aller dans le camion, vous descendez pour descendre la vitre et vous montez pour monter la vitre. Et on en met deux, un de chaque côté, pour avoir le droite et le gauche, ouverture vitre droite et ouverture vitre gauche. Donc, ça, c'est ça. Après, le dernier qu'il va falloir prendre, c'est ici qui va aller. Pardon, je vais prendre à l'envers. Donc, ici au milieu. Par contre, ça c'est très intéressant. Je vais intégrer une clé pour démarrer le camion.
Donc, dans la grande boîte, vous allez avoir deux positions sur la clé, une position contact et une position démarrage. Par contre, sur la petite boîte, le problème, c'est que je ne peux pas mettre le gros Yeman, parce que le Yeman est beaucoup trop gros et il n'est pas assez épaisse. Donc, j'ai trouvé un Yeman un petit peu plus petit, mais là, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas utiliser démarrage et contact. Donc, vous allez devoir, par exemple, prendre le bouton aviateur, le lever pour mettre le contact au camion, et vous tournerez la clé juste pour le démarrer. Ainsi de suite, vous retournez la clé sur on, off, le camion va s'éteindre, et vous baissez le bouton poussoir pour pouvoir couper le contact. Donc, ça se présente un peu comme ça. Alors, hop, c'est un Yeman dans ce style-là. Alors là, j'ai là, et je dois avoir la clé qui est quelque part. Elle est dedans. Ok, d'accord. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, ça, c'est le Yeman qu'on a sur le gros, la grosse boîte. Donc, vous allez avoir ce Yeman-là avec 4 pôles derrière, comme ça. Donc, ça, je vous montrerai aussi pour les pontages. Et donc, quand vous allez le mettre dedans, hop, vous tournez une fois la clé pour mettre le contact, vous allez tourner une deuxième fois pour le démarrer et il va revenir en mode contact. Donc quand moi j'utilise mon camion, je fais une fois, deux fois et mon camion démarre. Le problème, c'est comme je vous disais, quand on va aller dans la boîte, vous voyez que le Yeman est beaucoup trop grand, il dépasse. Donc je ne peux pas l'intégrer dans la petite boîte. Donc ce Yeman-là sera intégré dans la grande boîte. Donc il est plus cher, donc la grande boîte sera plus chère automatiquement. Mais sur la petite boîte, elle est en bas, je vous montrerai tout à l'heure, j'aurai un Yeman un peu plus petit, il sera de cette taille-là à peu près. Et c'est celui-là qui fera le démarrage aussi si vous voulez avoir la box. Donc ça, c'est les choses à savoir. Et le dernier, c'est le module. Donc, au niveau du module, c'est un simple module comme ça que vous allez devoir trouver. Alors, je ne vais pas mettre les liens, franchement, je ne vous mens pas. C'est pas que je ne veux pas que vous le faites, puisque je vous explique. Je vais même vous expliquer comment faire les trous, les mesurer, comment souder et tout. Mais je ne veux pas m'engager sur un vendeur AliExpress ou un vendeur eBay ou un vendeur Amazon ou ainsi de suite qui va vous vendre l'objet et que vous n'allez pas le recevoir. Vous allez mettre 2 mois et demi pour le recevoir. Et après, vous allez venir sur ma chaîne en disant « Ouais, mais t'as vu, j'ai commandé ou t'as dit et je ne l'ai pas eu. » Donc, chacun cherche ses boutons et son truc. Alors ça, c'est juste un simple module de manette. Donc, vous allez avoir le système là pour brancher votre USB. Donc, vous allez avoir un câble USB. C'est du plug and play, normalement on dit. Hein. Alors, vous allez avoir un USB et celui-là, vous allez le brancher ici en haut. Donc, ça sera expliqué à la fin. Vous allez le brancher ici en haut. Puis après, vous allez avoir plusieurs fils comme ça. Voilà, vous allez avoir plusieurs fils avec mâle et femelle. Enfin, c'est femelle. Moi, je vais les couper puisque je soude. Et ici, vous avez tous les entrées. Donc, par exemple, voilà, vous prenez celui-là, vous le mettez sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'explique avant. Ici, vous avez l'alimentation. Ici, c'est censé pour mettre un joystick, donc c'est pas intéressant. Ici, c'est flèche haut, bas, droite, gauche. Ici, c'est pour mettre des boosts et des trucs comme ça, des turbos, quand on fait une borne d'arcade. Ça, je ne l'utilise pas. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pins ici, plus les 4 là. Voilà. Donc, ça fait 12. 16, pardon. Donc, à savoir que haut, bas, droite, gauche, moi, les 3/4 du temps, je vais l'utiliser pour ouvrir et fermer les fenêtres. Voilà. Quand je vais ouvrir et fermer les fenêtres, je vais utiliser les flèches. Et les 3 premiers pings seront utilisés pour le Yeman de la grosse boîte. Puis après, le reste seront utilisés pour les boutons à fur et à mesure, les boutons poussoirs. Alors, ça, vous allez juste le mettre à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'obligatoirement le protéger. Vous pouvez mettre quelque chose qui va le protéger, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous le mettez dans la boîte. Après, je vous expliquerai, il y aura un petit logiciel à télécharger pour pouvoir tester vos soudures ou tester comment vous avez fait et je vous montrerai. Alors ça sera sur une vidéo, la même vidéo. Par contre, ça, j'allumerai mon ordinateur et j'essaierai de mettre ma webcam pour pouvoir vous expliquer avec l'écran d'ordinateur. Donc là, pour le moment, c'est la seule manière, au moment où vous allez me voir et que je vais parler. Après, en faisant la vidéo, quand je vais faire les soudures, les trous et tout ce qui s'ensuit, il y aura des moments où ça sera en rapide, il y aura des moments où ça sera en peinture et tout ce qui s'ensuit. Je vais pas à chaque fois mettre mon visage vous expliquer. Donc là, ce qu'on va faire, la première chose, c'est de nettoyer les boîtes. Alors, je vais dire à peu près dans le sens qu'on va faire. On va nettoyer les boîtes, je vais les peindre, donc je vais devoir les laisser sécher. Puis après, je vais faire les trous. Non, bah on va faire l'inverse, ça sera mieux. Alors moi, ce que je vais faire là pour l'instant, je vais juste les nettoyer, je vais préparer les trous. Une fois que j'ai préparé les trous, je vais les peindre. Comme ça aura le temps de sécher toute la nuit. Et demain, j'aurai le temps de faire le reste.
En même temps, ben, je pourrais souder tous les boutons parce que j'en ai quand même beaucoup. Puisque si je fais les deux boîtes, j'ai 14 plus 5 boutons à souder. Parce qu'il y a des boutons, il faut souder. Il y a des boutons, vous n'allez peut-être pas obligé. Mais tous les petits boutons comme ça, tous ces petits boutons comme ça, il faut les souder. Après, vous pouvez le faire sans les souder. Mais une fois que vous allez tout mettre dans la boîte, ça se peut que ça va se barrer. Vous allez tirer sur un câble. Donc moi, je vais les souder. Au moins, même si je viendrai à vendre la boîte, je sais que dans le transport, ils ne vont pas se dessouder. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je vais la souder à l'étain. Ça, pareil, je vais le placer dedans, on va le souder à l'étain. L'autre, par contre, celui-là, pas besoin de le souder. On aura juste à tourner autour et visser la vis. Donc là, on sera bon. Et voilà, on va devoir faire les boutons. Puis, à la fin, je vous ferai une présentation du montage. Donc, c'est-à-dire la position de où je vais mettre les boutons, comment je vais les fixer, comment je vais les mettre sur l'appareil, donc sur le module et le circuit imprimé. Et après, à la fin, on fera le test. À savoir que les personnes qui vont acheter la boîte, je vais leur fournir une petite notice explicative qui va expliquer déjà comment le configurer via Eurotrunk. À savoir que j'ai fait des tests, il marche sur Eurotrunk, il marche sur American Trunk, American Alaska, il va marcher dessus, et il marche aussi sur Farming Simulator. PC par contre. J'allais terminer. Que sur PC. Du tout, il n'y a aucune module qui va marcher sur console. Je suis désolé, ça n'existe pas. Si ça existerait, je le ferais. Sans problème, mais ça n'existe pas. Donc, tant que ça n'existe pas, je ne pourrais pas vous le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que tout sera présenté. Je vais essayer de faire le maximum et après, je répondrai à vos commentaires si je peux faire. Allez, à tout de suite. Alors, la première chose, enlever l'étiquette proprement. Voilà. Une fois qu'elle est enlevée, on va mettre le patron dessus, donc là, le patron de la grande boîte, donc vous avez tous les boutons, vous la mettez bien, correctement, sur les bords, bord à bord, donc celle que vous avez créée, voilà, et là, il va falloir faire avec un petit crayon, comme la boîte est blanche, vous allez devoir faire un petit peu, des petits points, comme ça, hop, voilà, donc là, vous faites ça sur tous les boutons. Donc là, vous enlevez le patron et vous vérifiez le nombre de trous que vous avez. Donc il faut vraiment bien vérifier si vous avez tous les trous au bon endroit. Donc il y en a 5 en haut. Après, vous allez avoir 7 plus 7. Voilà. Et vous avez les 3 d'en bas, donc pour le Niemann et pour l'ouverture-fermeture des vitres. Alors je précise que je mets ça moi, mais si vous voulez, vous pouvez mettre autre chose. Donc, là, vous allez présenter votre matériel. Donc, circuit imprimé, les boutons, le Niemann. Voilà. Donc, on met tout sur le côté. On va prendre en premier le Niemann. On va le sortir de sa boîte. On l'enlève du sachet. Voilà. On va l'ouvrir complètement. Donc, on va enlever la partie en face. Surtout, ne pas oublier, quand vous le remettez, de mettre un petit joint en caoutchouc à l'arrière. Je vous le referai préciser au moment de le mettre. Parce que dans la vidéo, je ne l'ai pas mis, mais après je l'ai mis, puisque le Niemann coulisse de droite à gauche quand vous allez tourner. Donc là, on prend le pied à coulisse. On va mesurer la taille du Niemann pour pouvoir faire le trou. Donc là, je le fais. Normalement, moi, je sais à peu près c'est combien, mais là, je le fais avec vous. Donc voilà, c'est bon. Donc ici, on a 1,7. Donc on va prendre une fraise. Voilà. Et on va regarder. Donc normalement, on fait 1,7, mais ça ne vous dit pas exactement ce que ça fait. Donc moi, je passe le pied à coulisse et je regarde jusqu'à un moment où je flotte un petit peu. Donc il faut vraiment que ça flotte un peu. Donc là, hop, voilà, ça flotte un tout petit peu. Donc là, on est bon. Voilà. Donc là, vous allez prendre une petite mèche à fer ou une mèche à bois, peu importe, c'est du plastique, donc ça passe. Vous allez devoir faire des pré-trous. Donc vous allez à chaque fois, parce que si vous faites avec la fraise directement, il y a un risque que la fraise va riper et le problème, c'est que ça va pas. Si vous avez aussi même un petit pointeau, n'hésitez pas à prendre le pointeau et à faire un petit coup de pointeau juste avant. Moi, j'en ai pas, donc c'est un peu gênant, mais n'hésitez pas à faire un coup de pointeau avant.
Donc là voilà, vérifiez bien, comptez bien à chaque fois si vous avez bien fait les pré-trous sur tous les boutons. Il faut vraiment bien compter pour être sûr et certain si vous n'en oubliez pas un. Donc là on a bien vérifié, on a tout. Là ce qu'on va faire, on va passer au niveau de la fraise. Donc on va préparer une visseuse, des visseuses. Là je vérifie si tout est bien fait, si j'y passe à travers. Donc là tout est OK. Maintenant on va prendre le pied à coulisse, la fraise et je vais aller chercher vite fait un morceau de scotch pour pouvoir le fixer sur la fraise. Comme ça, au moins, on pourra voir où on va devoir s'arrêter. Parce que le problème, c'est que si vous le faites directement, on va pas voir où on va s'arrêter. Donc, si vous arrêtez trop loin, c'est fini. Les boutons, c'est mort. Donc là, je vais aller chercher un petit bout de scotch. Donc là, le scotch, c'est bon, je l'ai. On va couper un petit bout. On va faire le repère de où on doit s'arrêter. Donc, si je me trompe pas, c'était pour le grand, ça devait être 14 et 18, 14 ou 18. Et pour les petits, ça doit être 12. Mais après, ça dépend de la fraise que vous avez. Donc, les mesures sont pas pareilles. À part quand vous allez acheter votre pièce, donc vos boutons, vous pouvez regarder aussi sur l'annonce, la taille pour pas dépasser. Mais ça, c'est à vous de voir. Moi, comme je l'ai déjà fait sur ma button box, je l'ai fait comme ça. Ça marche très, très bien. Je sais que je dois m'arrêter au bord noir et je vais pas plus loin. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain que mes trous sont à la bonne taille et j'ai pas de problème. Donc, regardez, hop, le premier trou, je le fais. On passe une fois, deux fois. Voilà. On est bien. Donc là, on va s'arrêter. Alors là, c'est le Yeman. Donc, c'est le plus gros trou que vous allez faire. Les autres, c'est des plus petits. Mais là, c'est vraiment le plus gros trou que vous allez faire. Donc là, c'est bon. Le trou est fait quasi à moitié. Puisqu'il va falloir le faire aussi de l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir la button box. Donc, on va enlever les quatre vis de chaque côté. Donc là, voilà. Alors, c'est pas beaucoup. Hein. C'est une histoire de 2-3 tours. C'est pas des très, très grandes vis. Donc, ça va tout seul. On ouvre, donc surtout ne pas perdre des vis si c'est cette boîte là que vous achetez parce que les vis tombent. Donc moi je les ai mis sur la table, hop, parce que quand j'ai fait ma première box, j'ai tout fait tomber par terre. Après j'ai mis 20 minutes pour essayer de les retrouver. Donc on voit le trou en bas, vous voyez à l'arrière il y a des bavures, donc ça va pas du tout, ça fait moche. Donc il va falloir passer un coup de fraise vers l'intérieur sans passer à travers. Donc là il faut faire attention, je nettoie un petit peu aussi, je mets sur le côté parce que ça quand ça tombe à terre c'est un peu galère à ramasser. Donc hop, on va regarder. Là, ici, alors j'ai mis un peu trop haut. Hein. On va passer un coup de fraise à l'intérieur. Donc après, je vais sûrement utiliser aussi une deuxième fraise pour aller un petit peu plus loin. Donc là, on fait sur la deuxième, l'intérieur. Voilà. Là, on est quasi bon. On prend, on teste. Donc là, c'est un petit peu plus. On y va un petit peu plus loin. Donc là, à savoir que cette fraise-là, elle est un peu gênante parce qu'elle est grosse, mais elle n'est pas longue. L'idéal, c'est d'en avoir une qui est aussi longue pour que ça passe très bien. Donc là, on est à peu près bon. On va faire des deux côtés. Voilà. Je vais changer de fraise. Je vais mettre celle qui est un petit peu plus longue. Et vous allez voir que ça va, c'est largement mieux. Donc là, je sais que je n'ai pas besoin d'aller plus puisque c'est à peu près les mêmes fraises. C'est juste qu'il y en a une qui est plus longue, mais ils ont les mêmes tailles. Donc je sais que j'ai un cran à faire. Voilà. Je passe un cran de l'autre côté, pareil, hop, voilà. Et normalement, il passe à travers. Voilà. Donc, je suis désolé pour la caméra, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais voilà, là, on voit s'il accroche un petit peu. On va refaire une fois. Donc, le tout, c'est qu'il faut qu'il soit un petit peu flottant dedans. Il ne faut pas qu'il accroche à fond, mais il faut qu'il soit légèrement flottant. Voilà, c'est bon, elle est rentrée d'un coup. Donc là, la visseuse, je vais la mettre sur le côté. Je ne fais pas de publicité pour la visseuse. Alors, on va le prendre, on va le mettre dessus. Donc là, ça, c'est le fond. Donc surtout, mettez-le, sinon ça ne va pas. Si vous ne mettez pas le fond, ça va être galère. Vous n'allez pas pouvoir le visser correctement. Parce que là, c'est là que je vais mettre un joint. Donc on va mettre celui-là. Puis après, on va mettre un joint derrière en style de caoutchouc. Alors, c'est un joint que j'ai trouvé pour la plomberie. Hein. C'est un simple joint. Que j'ai été à acheter à un magasin de bricolage. Donc là, dans la vidéo, vous ne le voyez pas, mais je l'ai mis après. Donc là, on met le joint par le dessous, pas par le dessus. Et là, on vient serrer directement par le dessus. Donc, on va attendre. Voilà. Et là, il est positionné. Donc, vous regardez dans quel sens vous voulez mettre la clé. Voilà. Donc là, il est positionné, le Yeman. Après, il y aura tous les branchements à faire. Mais là, pour le moment, le Yeman est positionné. On vérifie les serrages. Et on enlève.
Alors là, on va passer sur les boutons. Donc on a les boutons aviateurs, on appelle ça, et après on aura les boutons normal. Donc on va récupérer les boutons sur le côté. Voilà, donc là c'est le bouton aviateur et l'autre côté c'est le bouton on-off vers le haut. Donc, vous pouvez faire on-on, pardon. Donc on va les dévisser et on va les mesurer au pied à coulisse. Donc à savoir que c'est la même mesure. Hein. Dans la vidéo, je vais les mesurer deux fois, mais c'est la même mesure. C'est exactement pareil. Donc là, on enlève les boulons, voilà. On va les mettre ici en bas. Donc, et les ceux en haut, voilà. Donc on est bon. On va reprendre un coup de pied à coulisse et on va vérifier puisqu'ils seront largement plus petits que le lien main. Donc il faut faire super attention. Voilà, on mesure. Donc on sera beaucoup plus petit. On attend un petit peu. Voilà, donc là on est à 1,1 ou 1,2. Je sais pas, on met à peu près. Alors on repositionne la boîte pour avoir un support. Et là, pareil, on va faire le même truc. On va prendre la fraise, on va mettre un scotch dessus et on va percer les boutons. Donc là, voilà, tout a été testé. Je teste le dernier bouton. Donc là, tous les boutons sont OK. On essaie toujours de faire un petit serrage. Alors, je le mets tout le temps, le bouton, pour voir. Voilà, ça se serre. Tout est bon. Donc, on a testé les boutons d'aviateur au-dessus. C'est bon. On a testé le petit bouton. Tout est OK. Donc là, on est bon. On va faire un test avec un autre pour voir. Au cas où, parce que ceux-là, c'est un petit peu plus capricieux. Ils sont plus fins et ils sont un petit peu plus fragiles. Donc, n'oubliez pas d'enlever la bague. Vous voyez, là, j'ai laissé la bague, donc j'ai pas assez. Hop, on enlève la bague. Voilà, hop, on le remet. On a un petit serrage à l'arrière. Donc après ça, vous devez voir, soit vous serrez comme ça, ou vous mettez vos fils et vous serrez après. Ça dépend dans le sens que vous voulez faire. Le tout, voilà, c'est que le serrage, il est bien fait. Faites attention quand vous allez souder, par contre, si c'est sur du plastique. Voilà, donc là, on a les deux boutons qui sont juste ici et qui sont fonctionnels sans problème. Donc là, on va passer à la soudure. Donc, il faut avoir un fer à souder à l'étain. Donc ça, ça va tout seul. Vous devez avoir un ciseau, une pince à dénuder ou un simple couteau, une pince à couper, voilà, de l'étain. Et là, on aura le premier. Alors, ici, on a les boutons. Ce qu'on va faire, on va commencer à souder. Donc, vous allez avoir un plus et un moins directement dessus. Donc là, le fer à souder, normalement, j'ai déjà mis à chauffer, donc on sera bien. On va regarder sur le côté. C'est bon. Donc, on récupère le câble. Ici, on a demain les fiches mâles ou femelles. Ça dépend de ce que vous allez acheter. Vous les coupez parce qu'ils ne sont pas la bonne taille. Donc, ce n'est pas du tout les bonnes tailles. Ce n'est pas adapté. C'est trop gros. Alors, ça dépend. Sur les boutons aviateurs, ils sont trop petits. Mais sur les petits boutons, ils sont trop gros. Donc, moi, je les dénude. Voilà. Alors, la pince à dénuder est mal réglée. On va la régler correctement.
Voilà. Et on va recouper le câble. Donc, une fois que vous aurez trouvé directement, voilà, à quelle taille vous devez couper, ça va tout seul. Après, vous pouvez faire les fils à la fin. Voilà, c'est bon. Donc, ici, on va remettre comme il faut. Donc, sur ces petits boutons-là, vous n'avez pas de sens plus moins. Vous pouvez le mettre de n'importe quel côté. C'est juste un contact. Donc, c'est juste que ça va faire passer le pôle d'un côté à un autre. Donc, pour que si maintenant vous le mettez sur le module et vous touchez les fils, ça marche en vérité. Le fil va s'allumer et votre bouton va marcher. Donc, le but, c'est d'avoir juste un poussoir de façon à ce qu'il ne marche pas tout le temps. Donc là, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de souci, droite ou gauche. L'avantage, c'est que ça va juste faire un contact. Donc là, on le met d'un côté et on le replie. Voilà. Puis, on va mettre le fil bleu de l'autre côté. Qu'on attend, on le place correctement pour pouvoir faire la petite soudure après. Donc là, hop, je mets le fil bleu. Alors, surtout, il ne faut pas qu'il se touche. Donc, il faut vraiment qu'il y ait entre les deux quelque chose qui va éviter qu'ils se touchent. Donc, quand ils sont soudés, soit ils ne peuvent pas se toucher. Si vous avez du transport, comme là, moi, je sais que les boîtes, je vais peut-être devoir les envoyer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coup de colle à chaud au milieu. Donc là, on va prendre directement le fer à souder. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des petites pinces sur le côté. Donc, on va le mettre, je vais le mettre face. Voilà. C'est pas pratique quand on filme. Je vous mens pas. C'est un peu plus compliqué. On met plus de temps pour pouvoir faire la boxe. Alors, on va essayer de le fixer dessus directement comme ça. Voilà. Donc là, comme il y a des petites dents, ça s'accroche dessus. On va bien écarter les deux fils de façon à ce qu'ils ne se touchent pas. Comme ça, quand on va souder, on va être tranquille. Et là, on va prendre une petite bobine d'étain. Donc moi, c'est du fin fil, parce que comme ça, j'en mets pas beaucoup. Et on va souder des deux côtés. Donc, premier côté et deuxième côté. Donc là, c'est bon. On a soudé le fil bleu. Hop. On va souder le fil blanc. Donc, je ne vais pas vous faire tous les boutons un par un. Je vous montre seulement un bouton. Et après, je vais tout souder hors vidéo. Donc là, pour le premier, on est bon. Hop. On va le mettre sur le côté pour éviter de se brûler. Ce serait bien. Et donc là, voilà. C'est soudé des deux côtés. Donc, on a une petite souture à droite et à gauche. On est tranquille pour ce fil-là. Donc là, on va passer sur le bouton aviateur. Donc là, c'est le bouton. Alors, vous avez plusieurs options. Si vous avez une petite carte qui a une alimentation 5 volts, vous pouvez l'alimenter de façon à ce qu'il s'allume. Moi, mes cartes n'ont pas d'alimentation 5 volts. J'ai pas voulu en mettre automatiquement. Donc là, on n'aura pas d'alimentation. Donc vous allez voir que je suis en train de dénuder. Donc on enlève pareil parce que là, bah, les fiches sont trop petites, elles sont pas assez grandes, donc on va les enlever. Et vous voyez que sur le bouton aviateur, on va avoir trois pôles. Deux pôles en bas et un pôle en haut. Alors, nous, on va se fixer sur les deux pôles d'en bas. Le pôle qui est en haut est pour l'alimentation de la LED à l'intérieur. Donc, normalement, il y a des LED, vous pouvez les utiliser. Donc, moi, j'ai un petit repère, vous voyez ce petit trait-là. Eh ben, je mets le fil bleu de ce côté-là. Normalement, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Mais sur ces boutons-là, j'ai toujours un petit repère. Je me dis, voilà. Avec le côté, la petite languette sur le côté là, on va se mettre côté bleu. Et comme ça, de l'autre côté, on met côté blanc. Pareil, on va faire une petite soudure à l'étain. Et ça sera assez rapide à faire, vous allez voir. Et il y a toujours à peu près deux soudures de toute façon à chaque fois. Sauf sur les Yeman où c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, le reste, ça va tout seul. C'est toujours deux petites soudures. Alors là, voilà, il est soudé, donc des deux côtés, vous voyez. C'est bon. Alors, j'ai mis la caméra un peu trop basse et j'essaie de filmer le bas, mais on ne voit pas trop. Donc, bon, c'est bien soudé des deux côtés, il n'y a pas de problème. Donc là, maintenant, on va passer sur le côté. Et là, on n'aura pour le moment pas besoin de soudure. Parce que là, on va faire les boutons on-on, donc le bouton on vers le haut et on vers le bas. Et donc là, ces boutons-là n'ont pas besoin de soudure
vous allez juste devoir couper les fils et les fixer à l'aide d'une vis. Donc voilà, c'est bien le on-on. Donc on a trois pôles. Donc on va avoir un central, un à droite, un à gauche. Donc vous allez prendre deux fils. Voilà. On va couper directement les parties. Donc pareil, les deux côtés. Voilà. Donc on les coupe. Hop, voilà. Alors si vous arrivez à trouver des câbles adaptés, mais le problème c'est qu'il y a tellement de boutons différents qu'on n'a pas d'adapté en réalité. Ou après, il faut à chaque fois racheter une boîte avec tous des raccords pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'après, la boîte financièrement sera hors de prix. Donc tout ce que vous avez acheté, je pense que ça coûtera plus cher. Alors, ce qu'on va faire là, on est bon. Alors, on va prendre les deux fils, on va prendre les deux blancs, on va les mettre ensemble. Voilà, là, on les assemble à deux. Donc là, c'est considéré un peu comme le moins, on va dire. Voilà. Donc, et on va le mettre sur le pôle central. Donc, vous voyez, il y en a un au milieu. Alors, je vais l'enlever, voilà, je vais l'ouvrir. Hop, et on va le mettre sur celui du milieu. Donc là, je suis en train de dévisser les trois. Voilà. Et donc, le blanc va se mettre ici, au milieu. Donc, on va fixer et on va serrer. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre le bleu de chaque côté. Donc, dans l'ordre que vous voulez, puisqu'après, le bouton sera reconnu dans tous les cas. Mais vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc là, on va mettre un bleu, par exemple, à droite et un bleu à gauche. Donc, n'hésitez pas à bien le bloquer, parce qu'il faut qu'il y ait quand même du contact. Après, ça va, l'avantage, c'est que si vous laissez un bon bout de fil, dès que vous serrez, ça ne bouge plus. C'est bien serré, ça ne bouge plus. C'est un peu comme là, c'est comme si vous l'avez soudé. Après, si vous voulez le souder, vous pouvez enlever le boulon et souder directement. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vois pas l'intérêt de souder. J'aurais même préféré que tout soit comme ça. Ça aurait été plus facile pour vous, mais bon, voilà. Donc là, on a terminé le bouton qui va être utilisé pour ouvrir et fermer, par exemple, les vitres. Donc là, on va passer sur le petit Yeman. Donc celui qui sera fixé sur la petite boîte. Donc vous voyez qu'on a deux pôles en haut et deux pôles en bas. Donc vous allez pouvoir l'utiliser un seul pôle en VT parce que le problème, c'est que si vous mettez deux pôles en haut, deux pôles en bas, ça va faire marcher deux à la fois. Donc deux boutons à la fois, ça ne marchera pas. Donc j'avais voulu essayer voir si c'est possible de mettre contact, mais non, comme il n'y a qu'une seule position, ça ne marche pas. Donc vous allez juste devoir mettre, par exemple, le fil blanc, à droite et le fil noir à gauche, c'est tout. Vous faites une petite soudure et ça ne bougera plus, vous serez tranquille et vous aurez votre bouton qui sera en marche correcte sans problème. Mais si vous fixez les deux, vous allez avoir, il va faire la même chose en réalité. Alors si vous voulez alimenter deux choses en même temps, peut-être, si maintenant vous voulez par exemple alimenter le contact et le démarrage en même temps, vous pouvez mettre les deux pôles dessus. Donc ça veut dire que vous mettez deux blancs et deux bleus, de l'un au-dessus de l'autre, donc deux blancs d'un côté et deux bleus de l'autre côté. Et donc vous mettez directement les deux mêmes boutons sur, par exemple, démarrer et en même temps sur et tout. Mais je pense que sur Eurotrunk, ça ne passe pas, on ne peut pas assigner deux boutons pour deux fonctions. Donc là, on va passer sur le gros Yeman. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a plusieurs contacteurs dessus. On a quatre vis, mais on a un bouton pour mettre le contact. On tourne une fois pour mettre le contact et une fois pour démarrer. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs contacts à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous avez le Y avec un petit S. Vous devez le mettre vers vous. Donc, vous voyez, vous mettez deux pôles en bas, un pôle en haut. Donc, vous le mettez vers vous. Donc, comme je vous montre, voilà, le S vers moi. Pour avoir le bon dessin. Donc le S vers moi. Donc là, on est bon. Et là, vous allez devoir couper trois fils. Donc le premier, on l'a là. Le deuxième, on l'a. Et le troisième. Donc ça, ça va faire les contacts. Donc là, on est bon. Et il va falloir aussi prendre un bout de fil bleu, tout simple, pour pouvoir faire un pontage. Parce qu'automatiquement, il faut un pontage. Donc voilà, le bout de fil bleu pour un pontage. Donc là, on revient. Alors vous voyez que mes mains, ils ont de la peinture dessus. C'est parce que j'avais été peindre les boîtes. Alors, on y va, on va couper directement, voilà, ici, voilà, encore, et là. Donc pareil, on va dénuder. Là, l'avantage, il n'y a pas de soudure aussi, c'est des simples boulons et une flotte.
Donc vous pouvez directement le raccorder avec un boulon et une flotte sans problème. Donc je règle un petit peu la machine. Donc à savoir que je l'ai fait en plusieurs jours, la vidéo. Là vous voyez que là j'ai un t-shirt noir Ghostbusters, mais à la fin de la vidéo j'en aurai un autre, puisque je vous ai dit, j'ai passé toute l'après-midi, j'avais même pas eu le temps de finir la vidéo, donc je l'ai fini plus ou moins le lendemain matin. Donc là on va tout couper. Alors là, suivez bien cette étape parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Donc là, on va récupérer les trois fils. Donc voilà, les trois fils. Alors il y en a six, mais on récupère les trois. On va prendre les trois blancs et on va les mettre ensemble. Donc on va les rassembler. Hop, voilà. Et on va devoir le mettre. Alors quand c'est face à vous, vous allez devoir le mettre sur le pôle à gauche. Donc là, je le mets à droite, mais je parle toujours quand c'est face à vous. Donc là, on parle, là, la caméra, là, à l'envers, je ne pouvais pas la mettre de l'autre sens, mais c'est quand c'est face à vous, vous devez le mettre sur celui de gauche. Normalement, vous en aurez un en haut, un à gauche, un à droite et un au milieu. Donc, on va mettre les petites vis et tout, et vous allez devoir le mettre sur celle de gauche. Là, je vais faire un avance rapide pour tout, et à la fin, je vous réexpliquerai exactement l'ordre à faire. Donc là voilà, là tout est fixé, donc on a bien les fils blancs, les fils bleus, donc les trois fils blancs ensemble, un fil bleu sur chaque pôle, donc vous voyez, un fil blanc en bas, enfin les trois fils blancs en bas, on a un fil à droite, un fil au milieu, un fil en haut, puis après, celui du haut et celui du droite, vous allez devoir le ponter, voilà, celui du haut et celui de droite, vous allez devoir le ponter. Donc assez facile, à gauche, les trois fils blancs, après vous mettez un fil bleu sur chaque pôle, et le fil du haut et du bas, vous avez juste à le faire ponter. Donc là, voilà, j'ai terminé. J'ai fait le montage complet. Vous voyez? Voilà. Donc on a tous les boutons et tout. Donc ça se passe comme ça. Donc toutes les soudures ont été faites. Je vous ai montré dans la vidéo juste avant comment on fait toutes les soudures. Ici aussi, pareil, on a toutes les soudures. Par contre, sur ces soudures ici, j'y mets toujours un petit point de colle à chaud. Pourquoi? Parce que ça évite qu'ils se touchent. Alors ça se pourrait que par exemple dans le transport ou si vous allez le manipuler, les soudures là sont tellement fines, toutes petites, qu'il y a des moments ils peuvent, les fils peuvent venir se rejoindre et se toucher. Le but c'est de pas qu'ils se touchent parce que ça fait un contact et donc ça veut dire que votre bouton sera en marche tout le temps. Donc si maintenant je sais pas, vous avez mis allumer les phares, ben, quand vous allez allumer la boîte, ça va allumer automatiquement les phares. Donc ça serait gênant. Par contre, ici, il n'y a pas de danger, donc j'en ai pas mis. Ici, pareil. Ici, il n'y a pas de danger. Ici, il n'y a pas de danger. Donc, c'est vraiment sur les petits points où je mets un petit peu de colle à chaud et pour être tranquille. Par exemple, j'ai le modèle de la petite boîte. Hier, je l'ai fait. J'ai fait le montage. Et en faisant le montage, ben, j'en ai un qui a touché. Donc, c'est pour ça. À savoir que j'ai changé. J'ai mis du vinyle. Vous voyez, on le voit sur les bords. J'ai mis du vinyle parce que celle-là, j'ai voulu la peindre. Et ça n'a pas marché. Alors sur ma boîte à moi, c'est exactement la même. J'ai les peints, ça a marché nickel. Et là, non. Donc à mon avis, je vais plus aller sur le vinyle. C'est plus facile à faire, c'est plus rapide. Et bon, c'est un petit coup de budget un peu plus supplémentaire. Alors maintenant, on va adapter les modules. Donc là, on a deux modules. Dans la petite boîte que j'ai ici, je vais la chercher. Hop. Donc voilà, là, on a la petite boîte. Qui est terminé, vous voyez, le câble il est passé, le module il est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je l'ai fait celle-là tout de suite. J'ai pas trop besoin de vous la montrer, c'est quasi la même chose que celle-là, à part que dans celle-là, il y a un seul module. Dans celle-là, il y aura deux modules. Donc vous voyez, on a bien la clé pour démarrer, monter, descendre. Donc ça, je vais la mettre sur le côté, ici, allez. Je vais la mettre là. Donc au niveau des modules,
Vous avez vraiment pas trop de sens pour le faire. Vous pouvez faire comme vous voulez, à part que moi, les vitres, je les mets sur un des boutons un petit peu spécial. Le reste, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc ici, vous avez là le circuit imprimé. Donc ici, vous avez toutes les... Ici, c'est ici que vous allez devoir positionner et ici. Donc moi, d'abord, sur le premier module, je vais chercher mes vitres électriques et je pose sur les quatre qui sont là, directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le module ici, hop, par exemple là, voilà. J'en ai deux, voilà. Et je vais aller sur ce module ici. Donc après, le problème, c'est qu'il faut enlever tous les fils pour pas que ça fasse des touillis et tout. Alors, on y va, je vais me mettre comme ça, hop. Donc ça, ça va dans le milieu, ça va dans le milieu, ça va dans le milieu. Voilà, et ça va dans le milieu. Donc voilà. Donc normalement, je suis censé en avoir juste deux ici. Là, voilà. Une, deux. Qui est là. Non. Il est où le deuxième? Il est là-bas. Il faut faire attention. Hein. Alors là, il va passer ici en dessous. Hop. Voilà. Alors c'est un peu galère, mais il faut vraiment faire attention. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ici, là, sur le côté, on va prendre le premier. On va le mettre. Donc un. Voilà, ouais, deux. Il n'y a pas de sens, hein, mais au moins, ça va mettre l'équivalent des flèches au bas, droite, gauche. Voilà, donc on va brancher celui-là. Voilà, hop, et celui-là. Je vais essayer de voir pour pas trop que les fils sont croisés. Comme ça, la boîte se placera correctement. Voilà, donc là, on a mis les vitres électriques. Comme c'est la partie basse, comme le module part en bas, on va aussi mettre le Yeman. Donc le Yeman, un peu pareil, on va essayer de récupérer les modules du Yeman. Donc j'en ai trois. Alors ça part là-bas. Le troisième, il est ici. Alors j'espère que vous voyez bien. Hein. Donc 1, 2, 3. Donc là, on a les trois modules pour gérer le Yeman, démarrer, mettre le contact. Donc là, on va le mettre sur le début de la grande de la barre. Donc, vous pouvez commencer ici ou commencer là, peu importe. Moi, je vais commencer à l'opposé. Comme ça me fait un petit repère. Hop, je commence à l'opposé. Donc, je vais mettre les trois premiers. 1, 2 et 3. Donc, voilà. Donc ça, voilà. Là, on a les trois premiers. Donc ici, ce module-là, je vais le laisser. Pour le moment, vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de brancher tout plus ou moins sur les mêmes modules. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de brancher un maximum de boutons sur le module sans utiliser pour le moment ceux-là. On verra à la fin si on a besoin de les utiliser. Pour le moment, on ne les utilise pas. Donc, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Donc, on prend sur le deuxième module. C'est pour ça que je vous dis. Le jeu Eurotrain qui est reconnu jusqu'à 4 manettes. Hein. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 4 modules si vous voulez. Hein. Là, pour l'instant, par exemple, là, j'ai fait un boîtier avec un module, deux modules. Mais si je ne me trompe pas, ouais, vous pouvez mettre un volant et vous pouvez mettre 3 ou 4 manettes. Donc, ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors... Essayez vraiment d'aller chercher le câble pour éviter qu'ils s'en mêlent l'un l'autre. Une fois qu'ils sont dessus, ils sont enclenchés, donc après ils ne vont plus s'en mêler. Donc l'idéal c'est vraiment d'essayer de trouver un maximum pour pas qu'ils s'en mêlent. Ça serait bien. Alors bon, il y aura toujours qu'ils vont s'en mêler un petit peu, mais dès que vous avez les branchés, ça sera un petit peu mieux. Alors là on va faire celui-là. Enfin on va le faire dans le bon sens. Voilà, lui. Donc hop. Hop, il faut le mettre dans le bon sens. Voilà, hop. Là, ça va là. Ça va là. Et lui. Voilà, donc là, on a les 4 boutons. Les 5, pardon. Les 5 boutons. Donc là, on a les 5 boutons qui vont faire bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, ça va vous avoir. Moi, j'avais mis ouvrir la carte et les choses comme ça. Alors, ici, pareil. Maintenant, on va repartir, mais essayez toujours de partir dans le premier bouton. Par exemple, comme là, je reprends le premier bouton. Voilà, comme ça, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 quand je vous montrerai sur le logiciel. Donc là, on a le premier. Hop. On a le deuxième. Voilà. Ici, troisième. Voilà. Le quatrième. Bien le mettre, voilà. Là, on a encore deux places, trois places. On va faire une place, deux places. Donc, on va essayer de récupérer comme ça. Voilà. Donc là, on a toute cette partie-là qui est faite. Ah, j'en oublie un. Ok, d'accord. Bon, ben, on va le mettre là. Ouais, c'est pas grave. On va le mettre là. Il sera décalé, mais dans le jeu, ça servait. C'est pas trop grave. Parce que là, c'était combien? C'était un...
Donc il aurait dû être 1000 plus là-bas. Ah, on va faire comme ça. Hop. Lui, c'est le dernier. Donc il y en a combien? 3 enlevés. Je vais enlever 3. C'est mieux de vraiment les mettre dans le bon sens quand même. Donc, je vous montrerai après sur la caméra. C'est juste que faut vraiment bien le faire. Et si le problème, c'est que si je braque trop vers la caméra, je vais risquer de plier une patte. Et donc là, le circuit imprimé, c'est poubelle. Hein. À moins que si vous savez souder. Donc voilà. Ici, on a tous les modules. Donc on en a 14 qui sont là. Donc, ouais, c'est ça. Non, on n'a pas de 14. On en a 7. 7 et 5. Voilà. Donc on a les 5 premiers et les 7 après. Donc ça, ce module-là, je vais le mettre sur le côté. Là, on va regarder ici si on a encore 7 places. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a assez pour brancher les 7 derniers. Donc pareil, on va partir sur le premier ici. On va mettre 1. On part sur le deuxième. 2. On part sur le troisième. Voilà, le quatrième, on va bien faire dans le bon sens pour éviter que je débranche comme tout à l'heure. Voilà, cinquième. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un sens, hein, donc il ne faut pas les enfoncer n'importe comment. Hein. Il y a vraiment un sens, vous avez une petite tige ici qui rentre à l'intérieur. Il faut vraiment le mettre dans le bon sens, sinon si vous le mettez à l'envers, ça ne marche pas. Voilà, et le dernier, qu'on va mettre ici. Voilà, donc à savoir que sur la box, vous avez encore des places. Hein. Ici, j'ai encore, sur ce circuit imprimé, j'ai 4 places disponibles. Et sur celui-là, j'en ai encore 2. Ouais, on entend mon chien. Là, j'en ai 4 et 2. Donc voilà, donc vous avez encore 6, la possibilité, par exemple, sur une boîte comme ça, de rajouter encore 6 boutons, si vous voulez. Après, oui et non, mais le problème, c'est qu'il faudra que la boîte, elle soit plus grande. Donc si vous avez fait une boîte à peu près comme moi, hein, voilà, vous pouvez mettre maximum, après c'est trop, hein, parce que si maintenant je fais ça, hop, on va faire comme ça, hop. Vous voyez, il n'y a pas assez de place pour pouvoir faire, à moins que vous voulez rajouter peut-être 6 boutons ici, ça se pourrait, parce que là, moi j'en ai mis 7, mais bon, peut-être que vous pourriez les décaler et en mettre 6 là. Bon, ça serait peut-être faisable, racheter les mêmes boutons, mais voilà, à savoir que jusqu'à là, vous pouvez en rajouter 6. Donc, ici, le module, il est fait, il est branché complètement. Donc, soit vous pouvez mettre ici un morceau de scotch. Moi, ça m'arrive de temps en temps de mettre un morceau de scotch pour éviter que lui et lui se touchent. Sinon, dans la boîte, vous le mettez. Mais moi, je crois que je vais mettre un morceau de scotch. Sinon, vous pouvez mettre aussi un double face pour venir le coller sur le fond de la boîte. Ça, c'est vous qui voyez. Mais bon, moi, je pense que comme le mien, je ne l'ai pas transporté, ça va. Mais s'il y a du transport, je vais essayer de voir si je peux pas mettre juste un simple morceau de Chatterton noir. Vous prenez, par exemple, voilà, vous le faites en long. Prendre un petit ciseau que j'avais ici. Voilà, vous faites comme ça, hop. Et vous le collez ici en dessous, comme ça, proprement. Alors, je vais essayer de le faire à peu près. Hop, hop. Voilà, hop, hop. Voilà, vous voyez, vous avez un Chatterton que vous pouvez positionner plus ou moins comme ça, proprement. Ou après, vous avez un gros double face que vous pouvez mettre aussi. Ça marche. Bon, je le ferai après, ça. Donc, ici, vous avez deux câbles. Donc, un câble pour alimenter la boîte numéro 1, un câble pour la boîte numéro 2. Donc, les câbles se montent sur l'opposé, ici. De toute façon, vous pouvez le mettre qu'à un seul endroit, ici. Hop, voilà. Donc là, on a le câble numéro 1. Et ici, on a le câble numéro 2. Pareil, on va le mettre à l'opposé, donc ici. C'est où il y a les deux petites LED. Juste en face, la prise où il y a la LED noire, la LED vert et rouge. On va le mettre dessus. Donc, j'ai pas entendu le petit clips. Ah, moi, j'aime bien quand ça clipse. Donc, je l'ai bien mise. Ouais. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, dans cette boîte-là, vous avez deux USB. Donc, quand vous allez l'acheter ou quand vous allez la faire, vous avez deux sorties USB. Si maintenant, vous n'avez pas beaucoup de sorties sur votre ordinateur, vous pouvez mettre un coupleur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux USB qui va sortir en un. Ça marche aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc là, moi, ce que je vais faire un petit test pour voir si tout marche bien. Une fois que tout marche bien, je vais fermer la boîte, vite fait en vidéo, pour vous montrer. Bon, c'est facile, hein, il y a juste... Normalement, vous prenez la boîte comme ça. Moi, je vais le fermer, s'il faut, je la rouvrirai. Donc, la boîte, elle est comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un endroit ici, et je vais l'ouvrir un petit peu. Donc, hop, voilà, très léger. On va passer les fils dedans. Donc, comme ça. Donc, on va le mettre ici. Donc, elle va être dans ce sens-là. Donc, on va le mettre plus ou moins comme ça. Alors, je pense que je vais faire plus comme ça. Hop. On va réenlever ça. On va le passer là. Je vais re-enlever ça.
va le passer en premier. On va passer les câbles en premier. Ça sera peut-être plus facile que tout passer. Donc là, on passe le câble là. On va le remettre au même endroit. On passe le câble là. Hop. On va le remettre au même endroit. Donc là. Donc là, on va le brancher ici, comme tout à l'heure. Hop. Et là, on va les brancher sur l'autre là-bas. Donc, comme on n'a pas beaucoup de place, on va faire un truc. Voilà. Donc, là, vous avez le sens. Vous mettez les boîtes. Alors, vous tirez un peu sur les câbles pour qu'ils sortent un petit peu. Voilà. Hop. Comme ça, ça va vous mettre votre boîte correctement. Vous voyez, il y a largement assez de place pour que les modules, normalement, ne se touchent pas. Vous pouvez les coller au fond. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, la boîte s'est fermée. Ici, je vais prendre... Alors, normalement, j'ai 4 petits trous. Quand j'appuie ici, je les sens. Voilà. Ici, je peux faire 1. Ici, on va appuyer ici 2. Parce que ça, ça va faire des trous dans le vinyle. 3. Et 4. Voilà. On va prendre un tournevis. Hop, il est serré. Je vais le faire en croix. Comme ça, ça va, il va se placer droit correctement. Voilà. 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 Donc, vous allez avoir ici la clé qui va tourner une fois, deux fois. Donc vous avez la grande boîte et la petite boîte qui se présente comme ça. Alors, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, les deux, mais bon. Je vous les montrerai de toute façon une fois que je serai devant mon ordinateur. Donc là, je vais aller tester cette boîte-là pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de problème, pour voir si tout va bien. S'il y a un problème, je la réouvre et je corrige. S'il n'y a pas de problème, on va passer sur mon PC en haut. Donc là, je vais revenir sur une caméra normale. Je vais ouvrir le logiciel que j'utilise pour vous montrer comment tester vos boutons. Parce que le but, c'est vraiment de savoir si ça marche. Et là, je vous montrerai comment tester les boutons. Alors là voilà, on est sur mon ordinateur, donc le logiciel que vous allez devoir télécharger, il est ici, c'est Jotokey, donc je le mettrai quand même en description, parce que là voilà, c'est un site, vous pouvez le télécharger. Donc là c'est la version 6.8, et là ça va vous configurer votre manette, et ça va vous dire si vos boutons marchent ou pas. Donc, première chose à faire ici, vous allez pour faire par exemple le brancher directement, donc là par exemple voilà, je la débranche, je vais la rebrancher directement, donc la petite boîte ici, hein, c'est celle-ci, voilà. Là, pour l'instant, on fait le test de la petite et j'ai la grande. A savoir, comme je vous dis, la boîte, je la fais moi-même. Donc, il y a des petites imperfections. Hein, c'est du fait maison. Là, vous voyez, j'ai un petit peu, ben, sans faire exprès, avec une douille, légèrement rayé le on. Bon, il y a des petits défauts dans le vinyle, mais très léger. Voilà. Mais bon, elle est quand même présentable. Je l'ai fait moi-même. Je la fais complètement. Donc, si vous cherchez vraiment quelque chose de parfait, n'achetez pas. Parce que ça sert à rien de l'acheter et arriver là-bas. Enfin, de toute façon, tout sera signalé au moment où je le vends. Et si maintenant ça arrive et que vous dites oui, mais il y a un problème, bah non, il fallait pas l'acheter ou sinon. Alors, ici, vous allez avoir les 4 boutons du haut, les 5 boutons du bas, les 2 boutons pour ouvrir, fermer les fenêtres et la clé. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, je vais le brancher directement sur un boîtier comme ça. Hein, simplement, je le branche dessus. Hop, voilà. On va attendre un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez là, je viens d'appuyer. Elle est reconnue automatiquement. Hein, c'est du plug and play. Donc normalement, si mettez la première fois sur votre ordinateur, il sera marqué installation en cours. Donc là, au niveau de la boîte, alors je vais un petit peu sur le câble pour pas le temps trop. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a les 4 boutons aviateurs. 1, 2, 3, 4. Et donc, quand vous allez les lever, vous allez avoir un bouton qui s'allume. Numéro 4. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Là, ça veut dire qu'ils sont en fonction. Là, quand je vais les descendre, automatiquement, ils vont s'éteindre. Après, ici, vous allez avoir les petits boutons, donc 1, alors on a le numéro 12, 11, 10, 9, 8, voilà. Ici, je vous avais dit que je les avais mis sur les joysticks monter, descendre, bas, haut, droite. Alors, ici, regardez, 1, en bas, hop, en haut, droite, gauche. Alors, gauche, c'est parce qu'il est en bleu, voilà, droite, okay. Haut, bas, droite, gauche. Et pour démarrer le camion, vous tournez la clé dans ce côté-là, hop, voilà, et c'est le numéro 6. Donc, par exemple, avec cette boîte-là, attention, vous ne pouvez pas mettre le contact avec la clé, alors que la grande, vous pourrez le mettre. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une connerie, vous ouvrez comme ça, hop, vous mettez le contact, hop, et vous démarrez le camion. Et puis après, vous voulez éteindre le camion, hop, vous éteignez le camion,
et hop, vous éteignez le contact. Ah voilà, c'est le, ça c'est la plus petite boîte. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur la grande. Alors la grande boîte, par contre, celle-là, comme je vous ai dit, elle a deux modules, donc deux USB. Donc je vais brancher les deux USB. Je vais brancher le numéro 2. Ah, vous entendez sur l'ordinateur les. Donc là, c'est bon. Je vais juste vérifier. Voilà, c'est bon. Alors là, on a la grande boîte. Au niveau du fil, il passe derrière. Voilà. Donc là, les deux modules sont branchés sur la grande boîte. Après, ça. Après c'est un peu embêtant parce que je vois pas bien. Donc pareil, on a les 5 boutons aviateurs. Mais le problème, c'est qu'il y a deux. Enfin, pas de problème, c'est qu'il y a deux modules. Donc vous allez avoir des boutons qui vont s'allumer dans le jaune et des boutons qui vont s'allumer dans le vert. Donc là, par exemple, en haut, on est sur quoi? On est sur les jaunes. Donc le bouton numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Là, on a les 5 boutons. On va descendre. 1, 2, 3, 4, 5. Après, ici, la première ligne, pareil. Vous aurez 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, le problème, regardez, si je passe sur celui d'en dessous, vous voyez qu'il passe en joystick vert en haut. Donc on va passer sur le joystick vert, on passe sur la deuxième manette. Et donc là on aura 4, 5, 7, 8, 9, 10. On aura joystick haut, bas, droite, gauche. Et vous aurez démarrage. Et là pour le démarrage, on aura deux manières. Donc une, voilà, ça va allumer le contact sur les deux boutons. Et une pour démarrer. Donc bouton 1, 2, 3. Et là pour le Niemann. Mise du contact. Démarrage. Hop. Donc ça veut dire que quand vous allez le mettre sur Eurotrunk, quand vous allez dans les propriétés, vous mettez mise du contact comme ça, hop, et après vous mettez démarrage comme ça. Et ça va le prendre en compte et quand vous allez tourner la clé, ça va démarrer directement. Donc là, je vais la mettre sur le côté, on va la débrancher. Hop. Comment ? Hop. Ça, je vais le remettre ça sur le côté parce que ça, ça va dans mon simulateur qui est juste là-bas derrière. La même boîte que j'ai, hein. J'ai exactement la même boîte. Alors, on va parler de la fin, enfin, on va faire la fin de la vidéo. Donc, comment expliquer ça? À savoir que je vais aussi vous fournir une plaquette, enfin, c'est une feuille avec des écritures dessus, donc warning, plein phare, radio, vitre électrique et tout. Vous pourrez les coller où vous voulez. Donc, c'est une feuille qui sera imprimée, autocollante. Donc, vous aurez juste à couper les petits carrés et les coller où vous voulez. J'aurais pu les coller moi-même, mais bon, c'est un peu gênant parce que peut-être que les personnes ne voudront pas mettre les mêmes configs que moi. Je sais pas, par exemple, moi, j'ai mis les vitres électriques, vous pouvez pas, ou je sais pas, moi, les warnings, j'ai mis, warning, comme j'ai vu rouge, j'ai mis les warnings, accrochage, décrochage, mis sur les rouges. Si vous voulez le mettre sur le vert, ben, ce serait bête de tout redécoller parce que ça va tout arracher le vinyle. Donc, l'idéal, c'est que je vous fournis la feuille, ça, elle sera comprise dedans. Vous avez juste à découper, enlever le petit film et vous le collez dessus. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, vous avez tout pour pouvoir la faire. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas chaud de la faire, si vous dites, voilà, c'est trop compliqué, je ne veux pas souder, je ne veux pas faire de trucs et tout, ces deux boîtes-là sont à vendre. Et il y en aura par la suite à vendre. Mais attention, je ne vends pas à grande échelle. C'est-à-dire que je ne vais pas me focaliser là-dessus parce que j'ai quand même mis plus d'une après-midi pour faire les deux boîtes avec les vidéos, bien sûr. Et il y a combien? Il y a... Ça fait déjà combien à souder parce que là j'ai pas soudé. Alors ça c'est soudé. Je crois qu'il y a 27 boutons à souder. Enfin, si je me trompe pas, je regarde en vite fait. Alors c'est là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Il y a 28 boutons à souder. Pour deux boîtes. Pour une boîte, j'en ai moins. Là, sinon, j'en ai 14 plus 5. Et là, j'en aurai 5 plus 4. Donc, si vous n'êtes pas chaud pour le faire, elles seront à vendre. Alors, je vais vous donner plusieurs options pour pouvoir l'acheter. Après, c'est vous qui voyez si vous avez peur ou si vous n'avez pas peur. Vous pouvez me contacter déjà directement via mon email jeromefps@scoutouk.fr. Elle sera dans la description. Vous me contactez en email. Et là, je vous donnerai des options si vous voulez. Donc, vous avez soit la possibilité de le payer par PayPal. Et donc, il faut que je regarde pour combien il y en a en frais. Parce que moi, la boîte sera au prix fixe. Donc, il y aura les frais supplémentaires et les frais de port. Ça, c'est l'option numéro 1. Si vous ne voulez pas payer les frais, ben, vous faites un paiement entre amis. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas quelqu'un qui va vous arnaquer. Si vous me faites un paiement entre amis, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais vous expliquer
comment je vais envoyer tout. Restez là et je vais vous expliquer. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est mettre directement au moment où vous voulez dire, ben voilà, j'ai envie d'acheter la petite. Je peux vous mettre un lien via Vinted. Donc là, l'annonce, par exemple, je vais la mettre à Vinted. Je vais vous l'envoyer et vous l'achetez tout de suite. Comme ça, au moins, vous aurez une protection et vous n'aurez pas de frais. C'est-à-dire que comme la petite boîte, par exemple, sera mise à 100 euros, eh ben, vous payerez 100 euros. Vous payerez les frais d'envoi et les frais à Vinted. Et vous n'aurez pas beaucoup de frais. Par contre, si je vous l'envoie par PayPal, vous aurez les frais PayPal et les frais Mondial Relais. Alors, le sera envoyé que par Mondial Relais. Je n'envoie pas par la poste parce que quand je reçois, je trouve que quand même Mondial Relais reçoit les colis mieux que la poste. Donc, il sera envoyé automatiquement par Mondial Relais. Et l'avantage aussi par Mondial Relais, c'est que il va me falloir votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Comme ça, je pourrai tout rentrer dans Mondial Relais. Et au moment où je le déposerai au dépôt, vous aurez un suivi complet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je vais envoyer les boîtes, elles seront numérotées. Donc, pour le moment, elles ne sont pas faites puisqu'elles ne sont pas vendues. Mais derrière, vous aurez une plaque, vous aurez une autocollant qui sera dotée... Pardon, cette boîte est créée par Jérôme FPS, numéro 2, voilà. Envoyée à, par exemple, Valentin, Cédric et tout. Hein. Et je vais vous faire une vidéo comme maintenant avec mon téléphone, comme quoi que j'ai testé la boîte avant de vous l'envoyer. Donc la boîte sera testée avant de l'envoyer, même si vous la testez chez vous, je vais la tester et je vous enverrai sur votre email la vidéo de la boîte testée. Je fais des photos de la boîte colis, donc c'est-à-dire au moment où je l'emballe, au moment où je l'envoie, tout sera fait. Donc tout, il y aura un suivi. Même si vous dites, voilà, j'ai peur de payer trop de frais, j'ai envie de faire un paiement PayPal entre proches, comme ça j'ai juste à payer PayPal, j'ai juste à payer sur PayPal et en même temps juste les frais de port. Y a pas de souci, ça sera fait. S'il y a quoi que ce soit comme problème, de toute façon, les boîtes, je les vends que quand je les aurai faites. Donc, c'est-à-dire que si maintenant, j'ai pas de boîte de dispo, je vous enverrai un email en disant les boîtes sont pas dispo à peu près une vingtaine de jours pour recevoir tout. À savoir que la boîte noire, ça, je l'achète le lendemain, on va dire. Par contre, tout le matériel, il me faut à peu près 20 jours d'envoi. Donc, c'est-à-dire que tant que ces deux boîtes-là ne sont pas vendues, j'en referai pas. Par exemple, si je prends les deux, je rachèterai pour en refaire automatiquement et les remettre à vendre. Donc, je remettrai pas une vidéo à chaque fois, mais si vous voulez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Si vous avez la moindre question, voilà. Je le fais pas pour gagner de l'argent, pour être riche, j'en ai rien à faire en vérité. Je le fais juste pour dire, ben voilà, il y a peut-être des gars qui peuvent pas se payer des box qui coûtent hors de prix, parce qu'il y a certaines box qui sont très chères, des boutons de box. Donc, je me dis, ben voilà, j'ai réussi à les faire et j'ai envie de partager. Mais comme je vous dis, c'est fait à petite échelle. C'est-à-dire, peut-être, je vais en vendre peut-être 4 par mois. Je vais peut-être en vendre une toutes les 2 semaines. Parce que je vous dis, à peu près 18, 20 jours. Je vais peut-être en vendre 2. Peut-être la prochaine fois, j'en prendrai pour faire 4. J'en sais rien. Et ça reste pas un business. Je veux pas vraiment faire un business. Je veux juste me dire, ben voilà. Il y a quelques abonnés qui sont intéressés par la boîte. N'hésitez pas à me contacter. Donc, au prix de base, vraiment le prix de base, ça sera 100 euros la petite, 150 euros la grande. Alors que la grande, il y a un double module, donc elle coûte beaucoup plus cher. Il y a beaucoup plus de boutons, alors que la petite, elle est quand même moins chère. À savoir que j'achète mes modules, j'achète les boîtes, j'achète le covering, parce que celle-là, elle a un covering. La mienne, j'avais réussi à le peindre, et je sais pas pourquoi. Sur cela, j'ai pas réussi à le peindre, donc j'ai fait un covering dessus. Donc voilà, je vous oblige à rien. Si vous voulez pas l'acheter, si vous êtes pas intéressé, ça sert à rien de mettre des commentaires négatifs, mais je ne vous oblige à rien. C'est vraiment si vous êtes intéressé. Si maintenant, vous vous sentez capable de le faire, j'ai fait tout le tuto, donc vous pouvez normalement la faire vous-même, mais il faut quand même avoir des sous, il faut savoir souder, hein, parce que c'est pas... Après, vous pouvez le faire sans souder, mais le problème, c'est que dès que vous allez mettre dans la boîte, vous allez avoir des boutons qui vont dysfonctionner, donc c'est une boîte que vous allez transporter. Alors moi, la mienne, par exemple, elle est fixée sur mon setup, il n'y a pas de souci, elle est fixée sur le siège à l'arrière, donc elle ne bouge pas. Donc même si je ne l'aurais pas soudée, ce n'était pas trop gênant, j'ai préféré. Celles-là, elles sont soudées et j'ai même... de la colle blanche dessus, de la colle à chaud, on appelle ça, parce que même par rapport au transport, on n'aura pas de problème de ce côté. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser commentaires, partager petit pouce bleu. Si vous en voulez une, contactez-moi sur mon email, jeromefps@outlook.fr. Mais voilà, je vous dis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je ne vais pas me malarmer, je ne vais pas en faire 50. Vraiment, c'est si les personnes sont intéressées. Et à savoir que chaque boîte que j'aurai vendue, je préciserai les petits défauts qu'il y a dessus. Si la personne retracte son achat, de toute façon, je ferai que j'accepterai les paiements que si je peux envoyer l'objet. Si maintenant quelqu'un veut a commandé une boîte et qu'elle me dit, par exemple, pardon, j'ai tapé dans le micro, je suis intéressé et que moi j'ai acheté du matériel en attente, ben, je lui ferai des photos et je lui enverrai les photos et je dirai, voilà, il y a un petit défaut là, un petit défaut là. Ça t'intéresse, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas,
Hein, je ne la vends pas. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.